lesquels nous servent également dans le cas de nez dévié. Car, si vous suivez bien le relief ici, vous voyez qu'il présente une angulation et de même que le nez est dévié. L'idée, c'est quoi? C'est de venir, avec l'acide hyaluronique, recréer un support dans la zone creuse et légèrement corriger la zone convexe si elle n'est pas extrêmement droite. On aboutit du coup à un nez que l'on a légèrement élargi, mais qui donne, parce que le relief lumineux est devenu droit et qu'il va jusqu'au bout au niveau de la pointe, qui donne l'impression d'être plus dessiné, plus élégant et presque plus fin alors qu'on a augmenté le volume. L'intérêt de l'injection dans ces cadres-là, avant de venir corriger chirurgicalement la cloison, car c'est la cloison ici qui est responsable, c'est de faire voir au patient quel est le résultat éventuel d'une chirurgie et de préparer l'acte. Il faudra néanmoins, avant l'acte chirurgical, injecter de la hyaluronidase pour faire fondre cet acide hyaluronique qui pourrait induire le chirurgien en erreur le jour de l'intervention. Merci pour votre attention.